Et yop tout le monde, c'est Delta Drac, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo review sur le Gin, Gin Shimaru Spirit Society. Donc ce perso est tout simplement magnifique, son image est magnifique, ses spés sont magnifiques. J'adore ce perso. De base je voulais plus Rukia, c'est le perso que je préfère, mais en gameplay ça reste le meilleur des trois. Donc on va partir sur une vidéo versus. Donc ce sera lui contre Kokuto. Parce que bon, beaucoup se demandent si Kokuto est meilleur que lui, etc. On va voir lequel des deux speedrun le mieux. Et lequel des deux est le plus fort du coup sur cette vidéo. Après je ne dis pas que parce que là est le plus fort, l'autre doit forcément être mis en ligne. Hein. Si vous l'avez, jouez-le. Mais moi je pense que Kokuto étant déjà monté en triple... En double 10 et un Link à 5, faut que je finisse. Je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser. Ensuite, on verra qui c'est que je montrerai. Lui, pour l'instant, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc, faisons vite fait un tour des stats. Donc, c'est un personnage Shinigami. Merci, Captain Obvious. Il a 1052 d'endurance. C'est correct, c'est très bon même. Il a 636 d'attaque. C'est pas un perso qui va briller par sa stat d'attaque, mais c'est pas dégueulasse. Il a 359 de défense. Ça va. Il y a 341 de concentration, on s'en fout, et il a 765 de pression speed. Ça, c'est très bon. Donc ce perso est un tueur de Shinigami. Pas Shinigami, tueur de Shinigami, génial. Son attaque spéciale, Feu Vulpa, lance un sortilège terrifiant avec ses 9 queues, infligeant des dégâts colossaux et enflammant tout ennemi touché. C'est un burn sur l'aspect, avec évidemment la petite malédiction qui va bien. Hein, la petite malédiction ici. Et je crois qu'il a attaque spéciale renforcée de 40%. Donc ça fait d'énormes dégâts. Il est en temps de recharge. Et je vais le jouer comme ça. Avec un pilule pression speed plus 20. Un Yuki pression speed plus 30. Et un Corsairs pression speed plus 30. En 12, 12, 12. Ouais, elle est pas finie d'être montée. Mais c'est pas grave. Donc on va faire ça sur le raid de Tetsu Zaimon, qui est évidemment le meilleur raid pour tester un speedrun aujourd'hui, vu que ce sont des Shinigami rouges dedans. Donc on se retrouve tout de suite dans le raid. Donc nous voilà dans le raid. Hop, stop. Ah bah, ok. Donc selon ce combo, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4, mais ça fait énormément de hit, hein, je trouve. Donc sa troisième strong, un full screen qui balance des renards un peu partout. Hop. Je trouve pas qu'il est beaucoup plus efficace que Kokuto, hein. Parce que Kokuto il fait vraiment énormément de hits. Avec Kokuto je pense que j'aurais déjà rasé la map. Mais on va essayer voir ce que ça donne. C'est vraiment un perso qui spam, hein, contrairement à ce que je pense. Ses animations de spé sont très belles, son chara-design est très beau aussi. Hein. Alors, jamais été spécialement fan de Guile, hein, mais là je vous avoue que c'est un des persos que j'aime le plus de cette manière. Ils sont tous très jolis après. J'espère franchement qu'il y a d'autres styles de yokai, parce que je crois que c'est ça qu'ils appellent. Parce que franchement, si on a un chara-design comme ça sur beaucoup de persos, je pense que on va avoir des persos sublimes. Ça me fait rebondir sur ce que disait mon meilleur ami sur Fortnite. Ça me fait penser à ce jeu. Au tout début, on avait des persos avec aucun style, des chara-design, bon bah, à chier, avec des SP qui font juste des choupos, juste des dashs en avant. Et maintenant, on a des personnages qui sont magnifiques, qui ont des SP magnifiques. Parce que sur Fortnite, il m'avait fait rappeler que les premiers skins étaient moches, très peu travaillés, alors que... Alors, je vous ai passé l'aspect. De toute façon, je le testerai en perfection tout à l'heure. Mais... Franchement, 1,57. Nouveau record. Donc, on se retrouve tout de suite quand j'ai build le Kokuto, et on se retrouve dans le... Donc, nous revoilà sur Kokuto 1, évidemment.
Alors c'est le même stuff que le Gin, j'ai changé ses lignes, j'en ai pas mis des bleus parce que voilà ça aurait été un peu trop pété. Donc du coup, il a à peu près les mêmes stuff que le Gin, on se retrouve tout de suite dans la quête. Donc voilà, on est sur le gameplay de Kokuto. Hop. Vous voyez, il spam déjà beaucoup plus, il a déjà beaucoup plus de hit. Je pense que c'est aussi ce qui fait sa force, on va dire. Et aussi, je tenais à m'excuser pour la vidéo de Rukia où le son de Rukia est énormément fort par rapport à ma voix. J'avais pas encore fait les réglages de son du jeu. C'est, on va dire que c'est rare que je fais des reviews, donc je n'ai pas pour habitude de mettre forcément du son gameplay du perso. Allez, voilà, hop, on se retrouve toujours Keblo avec ses trous du cul. Donc, je pense franchement que Kokuto va faire un meilleur score que Guido. Mais c'est pas pourtant qu'il est moins bon. Il est tout aussi bon. Il est même très fort. L'avantage de Guido, c'est qu'il peut brûler les adversaires. Ce que Kokuto ne fait pas. Kokuto, il a qu'une strong qui peut affaiblir l'adversaire. J'ai déjà l'impression d'aller beaucoup plus vite avec Kokuto. Hop. C'est pas mal ce Kokuto. Donc ça, bon, le versus Kokuto, je pense que je savais déjà ce que ça allait donner. Hein. Kokuto est quand même bien meilleur. Hein. J'ai l'impression que j'ai fait 1 minute 30. Hein. Non, 1 minute 25, on est déjà quand même à 30 secondes de moins. On va dire 25 secondes parce que j'ai perdu quelques secondes en début de run. Kokuto est meilleur quand même. Mais l'avantage de Gin, c'est d'avoir du soin. Donc on se retrouve tout de suite sur un build pour un build de perfection. Donc voilà, on est sur le build Triple Aizen Perfection. Avec dégâts des attaques puissantes, c'est vraiment un des meilleurs modes. Parce que hier, je joue en Senkaimon la Rukia en full perfection. Sachant que le Senkaimon n'est pas du tout fait pour les persos rouges. Hein, là, pour, clairement, disons-le, vu que les buffs sont bleus, elle faisait un dégât monstrueux. Donc on se retrouve tout de suite en quête. Donc voilà, hop, on va voir ce que ça donne. Du petit 5000. Oh, le 5000 qui fait plaisir. Oh, il fait du one shot, hein, 5000 x 2. Ça rigole pas, hein. Même sur son combo d'attaque normale, il fait beaucoup de dégâts. Des persos qui se jouent tant de recharges et qui en plus ont leur même perfection, ça devient des monstres hein, quand même. Alors un perfection temps de recharge, si ça existait, ce serait génial. Je vois bien un Frenzy faire ça, ce serait pas mal. La perfection temps de recharge. Genre perfection plus 18% et temps de recharge moins 11%, une connerie comme ça. Ce serait génial sur des persos comme ça. Mais je pense qu'on va y arriver à cette période de... Déjà qu'on est sur du... Sur des builds en mode double... Enfin, des builds frenzy, on va appeler ça comme ça. Avec les Senkaizen, les résurrections. C'est vrai qu'on s'en approche petit à petit. Donc là, je vais laisser l'aspect quand même, parce que bon... Allô, allô, allô. What? Oh, sérieux, non, c'est pas gentil ça. J'ai appuyé trois fois sur le bouton de l'aspect, ça a jamais voulu appuyer sur l'aspect. Très bien. On va se démerder sans. Hein.
J'aurais bien voulu vous proposer l'aspect, hein. Mais bon. L'aspect, vous l'avez sûrement vu sur beaucoup de gameplay. Donc sur ce, les gars, j'espère que la vidéo gameplay de ce petit gimmick Maru Spirit Society vous aura plu. Normalement, demain, vous avez la review du Crimjo. Je vais le tester en Juraichi. Je vais le faire en Juraichi. Comme ça, ça va être très rapide. Hein, ce sera sur la fin, enfin, sur son killer, donc des killers de aucun. Et en plus, je pourrais le tester en temps de recharge et en perfection. Donc sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!